Salut à toutes et salut à tous. Eh bien, comme promis, comme dû, j'en avais parlé la dernière fois dans la vidéo précédente. Eh bien, on va se faire les Baux de Provence. Là, on vient de partir du lac. Et là, je suis avec Nala et mon pote Hugues. Là, j'ai pu amener Nala cette fois-ci. C'est cool. Ben, ce sera encore une première pour moi. Je ne connais pas ce sentier. Je suis bien curieux de savoir où on tombe au Baux. Ben, moi, je connais pas. Non. Moi non plus. Hein. Vous avez vu ? C'est beau ici. Hein. Ouais, c'est beau. Bon, c'est vrai, j'aurais pu lancer au début, mais c'est pas grave, je vous ferai voir quand on retournera. Ceux qui viennent dans le coin, là. Voilà. Une belle balade. Hein. Bon, il y a encore beaucoup de vent aujourd'hui, il y a des chevaux. Là. Je vous remontre. En fait, là, on n'est pas trop loin du parking du lac de Saint-Rémy, pied rouge, j'arrive pas à le dire, mais bon. Il y a un jardin privé, là. En fait, c'est... Ouais. En fait, c'est du patois. Moi, j'ai du mal à parler, le patois. Ouais, mes parents, ils le parlaient, hein, mais moi, je... Le provençal. Le provençal, ouais, ben oui. Pardon, le provençal. Le provanco, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Mon père, il le parlait super bien, et ma grand-mère aussi. Mais moi, je le parle pas plus que ça. Voilà. Ouais, en fait, ce que je voulais dire, il y a 7,1 km du lac jusqu'au Baux, ce chemin il amène au Baux quoi, apparemment, ce sentier. Hein. On verra bien où ça mène. Hein. Mais on est quand même un petit peu abrité, là. Ouais, c'est tu vois, Hugues. Par les arbres. Ouais. Et par les collines, parce que ça les souffle aujourd'hui. En fait, ça fait comme des petites vallées là. Voilà, c'est ça. Oh, regardez, c'est vert. Hein. Ouais, il y a des chevaux là-bas. Ah, non. C'est la pinède là. Ah ouais, c'est beau. Hein. Tiens, je vous remontre. Et j'ai vu aussi, il y a une grotte là. Il y a une grotte que j'ai remarqué sur internet, ça y était, mais il ne marque pas ici. Hein. J'ai vu ça l'autre fois. C'est la grotte du lac, ils appellent ça, de Pierrot, mais j'arrive pas à le dire, mince. Peut-être que la prochaine fois on ira explorer. Je reviendrai moi en vélo. Mais bon. Elle est sympa la grotte parce que vous pouvez. Ils ont mis une échelle en fait. Vous escaladez l'échelle et quand vous êtes en haut de la grotte, eh bien, vous êtes en haut de la falaise. Ça, je savais pas moi. C'est un pote aussi qui m'en a parlé et j'ai vu aussi effectivement sur internet. Elle est belle la grotte. Hein. Ouais. Ah ouais. C'est sympa, elle est contente Nala. Hein, Nana. J'espère qu'il y a un peu des réservoirs, un peu d'eau pour les animaux. Ouais, t'as vu à la montagnette, il y en a vite. Ouais, mine de rien, elle se dépense. Hein. Eh oui. Non, mais. Tu sais, elle est jeune. Elle, ouais, on remarque, elle a la forme. Hein. Faut qu'elle court d'ailleurs. Eh ben oui, c'est fou, ouais, ici. Elle vient de se dépenser, les chiens. C'est clair. Ben oui, ça y fait du bien, là. Mais c'est vrai, ça souffle aujourd'hui encore. Hein. Là, il y a un peu de vent. Encore, il n'est pas trop fort. Mais bon, il est là, quoi. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas un petit sommet trop haut à monter parce que si on est en hauteur, là, ça va souffler. Voilà. Aussi. Bon, on va pas prendre de risques. Voilà. On va prendre ce sentier. Oh, il est beau le cheval. Oh, qu'il est beau. Et Nala, elle l'a vu. Elle est plus foncée, Nala, quand même. Elle est couleur chocolat. Ouais, il est marron le cheval. Ouais, mais... Qu'est-ce que c'est? Nana, vas-y, cours! Cours, la fifille, cours! Vas-y, éclate-toi! Elle est... Le cheval, comme il s'est mis à l'arrêt. Ouais. Elle est verte, l'herbe, là. Il est tout seul dans ce champ, lui, voyez. Mmh. Il a une grande chambre pour lui, tout seul. Ben ouais. Ben, on est... c'est les Alpes ici, de toute façon. Courir, ouais. C'est clair. Puis, ça sent super bon, aussi. Là on sent moins la... C'est le printemps donc c'est... Ouais. Et ouais, ça monte un peu quand même. Ouais, là. Ça monte, là, ouais. Tu vois, c'est traître. Il y a un petit défi, il faut pas. Mais comme Saint-Rémy, tu sais... Oh, regardez. Ouais, il y a un poney là. Ouais, il y a un poney. Salut toi. Ouais, il est beau. Ouais, il a pas l'air courbé, le poney. Bien, Nana, le cheval. Elle va aller les voir, elle. Je voulais voir comment elle réagit. Elle irait les voir les chevaux. Elle va aller les voir. Tu peux pas Nala. Tu vas aller dire bonjour. Elle
Ben, viens, Nana, fais attention. Ouais, elle viendra. Bon, il est sympa ce chemin, vous me direz ce que vous en pensez. J'avais même oublié que je filmais, là, trop nature peinture. Hein. Ah ouais, ça sent super bon le pain, ouais. Le thym. Dommage qu'il se vend un peu là. Eh ouais. Alors quand je pense que demain ils ont prédit 30 degrés. Demain, ouais, bah, c'est quoi, ouais. Quand il cale là. Ouais. Là il fait 29. Vous voyez, il y a plein de petits sentiers, mais je vais pas les prendre, je connais pas. Ouais. Quoi qu'autant, quoi, ça va être sympa là-bas. Ça va. Ouais. J'aurais dû demander aux personnes, elles avaient l'air d'être là, mais bon. Bon, je vais pas. Aussi, ouais, c'était des touristes. Vu mon expérience de la dernière fois, mais bon, bref, voilà quoi. Je demande plus, et de toute façon, j'aurais pu demander à l'office du tourisme, mais c'était pour tester un peu. C'était un test quoi, de population, pour voir s'ils sont sympas les gens. Mais bon, je suis tombé sur 10 personnes pas sympathiques, c'est tout. Donné. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Il y a plus grave dans la vie. Ouais. C'est sûr que si j'avais mis mon GPS aussi, je ne demande rien à personne. Où je vais à l'office du tourisme. Voilà. Ça m'a servi de leçon, mais bon. Les gens, ils peuvent être serviables aussi. Voilà, c'est ça. C'est, ouais. C'est ça que j'ai trouvé dommage. Bon, c'est sûr. Si j'étais allé à l'office du tourisme, ils m'auraient filé le tout, le papier, même le papier. Eux, ils m'auraient renseigné, ils sont là pour ça. Mais enfin, voilà. Ça monte quand même. Ouais, ça monte. Moi, je parle en plus. Et les ours, c'est ce sapin. Hein. Ouais. Je vous montre. Ouais, ils sont hauts, les sapins. Hein. On verra, on va voir où ça tombe. Hein. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a rien de marqué. Hein. T'as juste, regarde, t'as un truc sur l'arbre là. Voilà. Si, il y a quand même les traits, mais bon. Ça te dit que t'es sur un chemin balisé. C'est ça. Soit une GR. Ouais, j'aurais pu lancer la vidéo au début, mais bon. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y avait des personnes, je voulais pas trop les filmer, moi. Elle fait pipi, Nana. Elle fait son pipsou. Son pissou. Ça vient d'accélérer. Non. Non. Je filme là. Ah ouais. D'ailleurs ouais, je vais me faire un accéléré. Hein. Eh oui, ça monte. Ouais. Eh c'est les Alpilles. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est cool ce chemin. Ouais, j'ai un collègue, il le monte en moto, il m'a dit. Ouais bah oui, en moto, tous les temps, il me fracasse tout. Avec sa trial, enfin son cross, c'est bon. Hein. Ah, c'est beau, hein. La pinède. Puis c'est bon pour les bronches, hein. C'est respirer c'est le pain, ça fait du bien. Vous voyez, même là, il y a des sentiers. Mais je ne veux pas m'aventurer. Ça a l'air moins caillouteux qu'à Saint-Pierre. Ah ouais, par contre, ouais, on aura moins mal aux pieds que la dernière fois. Là. Bon, je coupe, de toute façon, je vous prendrai un peu plus loin. Là. À tout à l'heure. Alors ça y est, nous nous approchons. On a fait déjà 2 km vu que c'est ça. Ouais, bon là-bas il y a une sacrée vue. Je vais essayer de vous faire voir un peu. Ouais, j'aurais dû prendre le téléphone. Mais là il y a du vent, ça va vous casser les oreilles si je zoome avec le téléphone. Viens Nala. Bon elle est heureuse. Hein. Ouais, il y a une purée, il y a une sacrée vue. Je sais pas si ça se verra, on voit les rochers. Et au loin, on dirait presque la mer, hein, Hugues. Les champs, on dirait qu'il y a la mer à côté, mais bon, elle n'est pas à côté la mer. Regardez-moi ça, c'est beau les Alpilles. Hein. Et là, ça passe, hein. Alors, plus on avance, plus il y a de vent. Regardez, c'est beau. Hein. Et là, j'aurais pas besoin de payer, parce qu'il paraît, là, pour de Provence, ouais. Mais ils te font payer la vue hein, quand tu arrives là-bas. Ah bon ? Ouais, ouais. C'est mon collègue Jean-Guy qui m'en avait parlé. Lui, il a payé pour voir la vue. Ben, mais là, c'est gratuit. Là, ils sont graves. Par le GR. Alors
leur appartient la vue, elle est à eux. Mais c'est business après. Hein. Business, voilà. Business, c'est. Et les communes, ils essaient de ramasser du pognon un peu, comme ils peuvent. Voilà. C'est comme, je vais vous expliquer, à Avignon, le Palais des Papes, ben c'est pas gratuit. Hein. Et vous allez à Tarascon, le château de Tarascon, c'est gratuit. Hein. Pourtant, c'est un monument historique aussi. Hein. Ça dépend des communes. Hein. Le château de Beaucaire, ce que je dis, j'ai dit Tarascon. Hein. Je sais plus, mince. Ouais, le château de Beaucaire, c'est gratuit. Et il me semble qu'aussi le château de Tarascon, c'est gratos. Ouais, ben là, ça va remonter. Regarde, Hugues. Ouais. Je vous remontre. En fait, ça a monté depuis qu'on est parti. Hein. Bon, par contre, les trekkers, s'ils regardent un jour mes vidéos, et les charpins, ils rigoleraient. C'est rien pour eux, ça. Ouais, mais c'est pas de la montagne. Ouais. C'est de la balade. Je sais. Les charpins, c'est des monstres, les mecs. C'est pas la même altitude. Ouais, et puis, ils ont 40 kilos derrière le dos, en haute altitude. C'est par là. Ça doit être par là. Ouais. Alors, regardez-moi là. Là, là, vous allez voir, il y a une sacrée vue. Mais allez, depuis le temps que j'en parlais, de ces beaux de Provence, eh bien, voilà, je les aurais fait. C'est vrai, ça fait un moment que j'en parle. Ben voilà, chaque chose en son temps. Nala, il y a tellement de choses à découvrir dans ma région. Nala, allez là, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a, Fifi? Bon, excusez-moi, j'ai dû couper, il y a deux chiens qui... Eh ouais, moi j'ai pas vu. C'est vrai que c'est embêtant ça. J'aime bien cet endroit, mais c'est trop fréquenté. Ouais, c'est ça, on dirait que c'est la mer au loin. Ouais, c'est beau, hein. Alors, regardez comme c'est beau. Je vais prendre le téléphone après. Il y a plusieurs millions d'années, il y avait la mer là. Eh ouais. Bon, là-bas, il y a une antenne au réseau. Je vais prendre le téléphone, on va zoomer. Oh, c'est beau quand même. Hein. Tu vois, j'ai bien fait. Hein, de... J'ai senti quoi qu'il fallait revenir. Là. Ça fait un petit 360. Ben regardez, on va prendre ce sentier. Je sais pas si ça mène tout en haut. On va voir. Hein. Oh, regardez, c'est beau quand même. Hein. Ouais. Magnifique. On va encore avoir une plus belle vue là-haut. Ouais. Je vais zoomer, je prends le téléphone. A tout de suite. Voilà cette fameuse vue. Bon, par contre, il y a du vent là. Regardez ces Alpes. Hein. Enfin, on est au cœur là. Là c'est vrai que... Quand c'est beau là. Eh ouais, c'est dommage qu'il y a le vent. Voilà, c'est joli quand même. Oh là 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 là, bon, je vais pas plus mouiller. Il y avait une belle vue aussi en haut de Saint-Pierre. Ah oui, c'est beau. Hein. Une belle vue, mais là, de Saint-Pierre, on voit tout ça, quoi, toutes les Alpes. Hein. Je vais vous faire voir par là. Bon, là-bas, c'est le lac, mais il a 3 kilomètres. Ouais, il doit être 3 kilomètres, on a fait. Là, il y a l'antenne réseau. Relais. Voilà, sur un rocher. Mais la prochaine fois, moi, je reviendrai, mais je sais pas quand. Et on se la fera la grotte. Parce que cette grotte que je vous ai parlé, eh bien en fait, vous rentrez dans la grotte, il y a une jarre d'échelle, vous montez l'échelle et ça fait que quand vous avez monté le dessus de la grotte, eh bien, vous êtes en haut d'une falaise. Voilà. On se le fera la prochaine fois. Cela on ne pourra pas aujourd'hui. Hein. Bah, il faut que je revienne tout seul. En plus il y a Nala. Nala, elle est où? Elle est là. Ah, elle est derrière moi. Nana. Ah, je ne l'avais pas vue. Eh nana, j'ai eu peur. Allez, on continue l'ascension. Je vous refais voir un dernier coup. Voilà. Je sais pas ce que ça donnera. Bon, allez, à tout à l'heure. J'ai peur de casser les oreilles avec le vent. Allez, à tout à l'heure.
Voilà, nous approchons, on a fait quand même 3 km. Et ça, on a mis une heure, on a fait plus vite, c'est nous. C'est du chemin. Ouais, c'est du chemin. Par contre, ouais, je suis d'accord. On met une heure pour ceux qui marchent cool, quoi. Mais bon, nous, on a un bon rythme avec mon poids. On n'a pas mis une heure pour arriver jusque-là. Mais bon, c'est vrai que pour des gens qui y vont tranquille, après, c'est précis. Ouais, il faudrait le chronométrer. Bon, vous avez Mossane, les Alpes, bon, les Beaux. Mais on peut descendre par là aussi. Mais je comprends pas, il y a plusieurs. Et par là-bas, il y a 3,7 km. Bon, je comprends pas. Mais on va pour aller au Beau, regarde. Bah, mais là, ça doit être un détour. Ah ouais, c'est un détour. Ouais. Par Mossane, les Alpes. Ouais, tu dois passer par Mossane. Celui-là, il y a 8,8 km. Et là, il marque 2h25. Là. Mais bon, je pense que c'est pas faux parce que je vous ai pas fait voir un moment. Vous pouvez. Eh hey, Hugues, tu as vu comme ça monte. Putain, moi je suis un peu habitué à monter, j'étais essoufflé. À force de monter d'école, il y a un monsieur qui nous suit. Bon, allez, on continue. C'est vrai, il a du mal à nous rattraper, le monsieur. Dans la... Bah, après, on s'arrête. C'est vrai, on s'arrête, il laisse de la base, mais bon, on fait pas la course. Non. Bon, là, vous avez vu, il reste la moitié. Chemin, je vais voir où ça tombe, ça va tomber dans le village à mon avis. On va voir ça. Hein. Il reste 3,7 km. 3,5 km. Ouais. Mais c'est vrai que quand on prend des chemins comme ça, c'est pas comme du tout. Hein. Ça va plus vite sous le goudron. Hein. Et puis le terrain il est. Nala. Le terrain il est meuble quand même. Viens Nala. C'est pas du goudron. Hein. Bon ça va, ils ont pas de chien. Ça te fait rien de la tenir quand ils passent les gens. Là mais parce qu'elle sent les gens, ils vont. Elle est gentille. Hein. Voilà, quand il y a des gens, ils vont mieux la tenir. Bonjour messieurs, dames. Bonne randonnée. Oh là là, vous allez voir la vue. Là. Regarde Hugues en face. Oh le panorama. Ah ben l'autre fois j'ai pris la photo, je sais pas ce que c'est ce tour. La photo sur la vidéo précédente, tu sais j'avais pris cette photo là, je sais pas ce que c'est ce machin. Ah c'est une tour de nuit, ouais. Oh là là. Ah oui c'est vrai, c'est vrai. Bon, par contre je m'en excuse, là il y a du vent. Hein. Bon regardez le plateau là. Oh que c'est beau. Oh, t'as vu? Ouais. Ouais, je vais tourner. Voilà, je pourrais rien faire. Après, la GoPro, elle n'enquille pas quand il y a trop de vent. Je suis désolé si ça vous casse les oreilles. Oh, que c'est beau! Bon, là, on voit le lac là-bas. Oh là 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 là. Mais c'est le cas, je comprends pourquoi ils disent les Beaux de Provence. Hein. Tu vois, ça comprend pourquoi. Hein. Non, on le voit pas le. On le voit pas le lac, il est loin. Hein. Oh, mais c'est mal. Hey, une pensée à Guy. Mon pote Guy il se reconnaîtra. Il me dit qu'il connaît, mais je serais bien curieux de savoir s'il est déjà venu ici. Hey, une petite pensée à mon pote Guy. Il se reconnaîtra, enfin bref. Voilà. Bon, on a bien suivi le sentier. Eh ouais. J'en suis désolé si ça vous a cassé les oreilles. C'est le pays du vent. Bon, du coup, on va voir où ça tombe. Je voulais m'arrêter avant, mais bon, justement, c'est ridicule. Il vaut mieux qu'on fasse jusqu'à la destination que j'ai dit. Bon, après, si on rentre dans le village. J'imagine que l'été ici, ça va être sous surveillance. Ben ouais. Avec les feux de forêt, les incendies, ça va vite prendre feu aussi. Hein. Ben t'as vu pour le lac, il faut une autorisation. Tu sais quoi? En plus, il fait très chaud avec un mistral comme ça. Ça prend vite feu. Feu là. Eh ben on s'approche là de la tour. De la tour. Ouais. Pour guetter les incendies. C'est ça. Je me répète encore, ça vous a cassé les oreilles, je suis désolé, je peux rien me faire. Après, moi je. Peut-être qu'elle est enquillée, je peux pas vous dire, là, vu que j'ai pas coupé, j'ai pas écouté. Bon, là-bas, avec Aramon, voilà. Ben, la dernière fois, on était là-bas, nous. Voilà, avec la tour d'Aramon, on était dans les collines là-bas, mais ça se voit mal. De l'autre côté, on était. Ben, on était de l'autre côté, hein. Ouais, on a de la. Moi, je suis content quand même. C'est beau là-bas aussi, mais ici, je trouve que c'est beau aussi. Hein. Ouais, c'est beau, hein. Mais c'est joli là-bas, là où on est allé l'autre fois. Ici, c'est moins caillouteux, ça. C'est plus sauvage là où on est allé. Ouais, c'est plus caillouteux.
Ben, tu sais, ici. C'est minéral. Quoi qu'ici, c'est minéral aussi. Ici, c'est touristique l'été. Ils ont donc, fait des aménagements. Ici, c'est plus vert en fait. C'est d'accord. Plus vert que là-bas. Mmh. Ils ont arrangé aussi un peu. Hein. Et donc, c'est beau là. Ouais. Altitude 324. Non, c'est, ah non, c'est pas altitude, là, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir, je pense que c'est des numéros des chemins. Bon, par contre, ben, je sais pas. Celui-là, il doit longer là et celui-là, il monte à la tour. Parce que regarde, ils ont dû enlever un panneau là, qu'est-ce que tu as vu? C'est sur un caillou. Bon. J'ai failli me tourner la cheville. Oh, mais ils passent par où? Ben, comme tu veux, hein. Soit on monte à la tour, soit on va là. Il faudrait aller voir la tour. Allez, par contre, ça va souffler. Hein. Hein? Allez, on y va. Ça souffle plus ou moins tout là. Je sais pas s'il y a quelqu'un, mais je sais pas si c'est période de balader. Il n'y a pas encore des rivières. Par contre, moi j'ai l'impression que les beaux. Oui, hein. Regardez ce qu'on vous disait. Que moi j'ai pas voulu vous filmer non plus. Ça a encore duré 3 heures la vidéo. Mais bon. Voilà comment ça monte des fois. Et on a le sac à dos et tout, on est chargé quand même. Moi en plus, j'arrête pas de parler. Là. Oui. Ça, c'est quand il y a eu le point de côté, c'est ça? Eh ouais. Oh, il y a un sacré panorama. Oh, que c'est beau, regardez. Bon, le Mamanto, il est caché par les fleurs. Allez, de retour, de toute façon, finalement, j'ai changé d'avis. Parce que là, en plus, on a oublié de prendre l'eau. Je vous dis pas, Nala, elle doit crever de soif. Et moi aussi, je pense que je ferai deux parties. Parce que bon, c'est quand même assez physique. Et en plus, aujourd'hui, il y a du vent. Et c'est un peu casse-bonbon, des fois. Hein. Vous voyez, ça monte. Hein. Ce qu'on va faire, là, ce que je vais faire, ça fera la première partie. Et quand on pourra revenir, quand tu te sens, on fera la partie 2. Hein. Parce, ouais, voilà. Parce que moi aussi, j'ai jamais pris celui-là de sentier. Je suis bien curieux de savoir où on tombe exactement au village des Beaux. On fera une partie 2. Ouais, on fera une partie 2. Bon, déjà, vous avez vu, il y a de quoi faire. Je sais pas combien elle va durer encore cette vidéo, mais bon, maintenant moi je fais des longs formats. J'ai vu que. Et merci
à tous ceux qui ont répondu à mon sondage de l'autre fois. Merci beaucoup à Chantal et Hervé aussi, qui m'a répondu. Ma sœur aussi, une de mes sœurs, qui m'a dit aussi qu'elle aimait bien les vidéos longues. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça, je ne me rappelle pas sur le moment. Ben, je vous remercie pour votre soutien aussi, c'est gentil. Même Mathias aussi, je crois qu'il m'a dit qu'il aimait bien les vidéos longues. Voilà. Bon, on continue un petit peu et nous on va faire demi-tour. C'est l'heure, elle tourne. Il y a le vent, plus c'est casse au bonbon. La marque de retour. Voilà. Je vous refais voir un peu le paysage. Ouais, ben tu sais quoi, on s'arrête là. On va faire demi-tour là, Nala. Viens, Nala. Pourtant, on n'est pas loin. Hein. Et regardez, pêcheur. On le finira la prochaine elle fois. Elle va crever de soif et nous aussi, j'ai pas pris d'eau. Et nous aussi, ouais. Pêcheur. Allez, viens, Nala. Voilà. Et je suis très content de l'avoir amenée, Nala, encore. Elle est contente. Ça y fait du bien, hein, Nala. T'es contente? Pêcheur, regardez. Et c'est un V8, cette nana. Elle est vachement forte. Eh, nana, ça y fait pas peur, la montagne. Eh, que t'es belle. Contente, nana? Allez, on retourne à la voiture. Bon, nous, on a encore une heure de marche, là, finalement. Ouais, bien. Ouais, on a une heure. Une heure, ouais. Tranquille. Ouais, ouais, ouais. Eh, combien, quelle heure? 5h30. D'accord. Ben, c'est physique, on a rencontré pas mal de personnes. C'est 10 000 pas. C'est bien, je vais même pas regarder. Moi. Ouais, on a rencontré pas mal de randonneurs. Ouais. Plus que à Saint-Pierre-la-Vernade. C'est ça. Ben, c'est plus touristique. On a vu aussi des vélos. Par contre, les vélos, ils sont tous des vélos électriques. J'en parlais la dernière fois. Parce que si on revient cet été, il y aura encore plus de touristes. Oui, c'est sûr. Mais c'est pas grave. Ouais, oui, c'est pas grave. Ah, regardez, par là-bas, c'est côté Marseille, on va dire. Hugues, par là-bas, c'est côté Marseille où je fais voir. On peut dire ça comme ça. Par là, je vous montre, c'est Marseille derrière. Mais bon, c'est loin, hein, vol d'oiseau. Bon, il y a des maisons en bas. En fait, je pense, je me demande si c'est pas de là-bas, les beaux. Parce qu'on contourne la montagne, là. Vous avez vu le chemin d'où on vient. Je me demande si c'est pas là-bas parce que je vois des habitations et je vois la route au loin. Bon, c'est con, on n'était pas loin, mais bon. Non, c'est derrière, là. Ouais, c'est derrière. C'est dommage, mais bon, je préfère faire un demi-tour. Ouais, de toute façon, j'essaierai de vous faire voir la grotte aussi. La grotte du Pays Rouge. Je suis désolé si j'appelle mal. C'est du patois, du provençal. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Mon père, il serait là, il me le dirait, pêcheur. Mais bon, j'ai pas pu l'apprendre, moi, le provençal. C'est ma grand-mère, elle parlait super bien, mon père aussi, mais bon voilà. De toute façon, c'est ça les gens du sud. Chaque région a son patois, on va dire. C'est ça. C'est ça, hein. Ouais. Ici c'était le Provençal, le Provenco. Ouais. Voilà, voilà. Bon, écoutez, hashtag, le partage aussi la vie et la santé aussi, et vive la liberté. Et merci d'avoir regardé cette première partie. Voilà. Pardon. Parce que la prochaine fois, il n'y aura pas de vent. Voilà. Pardon, des beaux de Provence. C'est encore le pollen qui me fait tousser. Et je me répète, je m'en excuse s'il y avait trop de vent. Hein. Je peux pas faire autrement après. Ouais, là, c'est vrai, il faudrait que j'investisse un micro. Mais bon, là, ça soufflait. Hein. Ça souffle fort. Hein. Ça souffle. C'est vrai. Voilà. Allez, je vous laisse. Et encore une fois, vive la liberté. Ciao, l'ami. Ciao. À bientôt. Et merci, Hugues, encore une fois. Merci à toi. De m'avoir accompagné. Bon, à chaque fois, j'oublie de te dire merci, mais bon, c'est pas grave, on est potes. Oui, pas de problème. Eh ouais, je sais. Allez, ciao. Ah oui, Nala, elle vous dit au revoir. Nana, voilà la caméra. Voilà. Ouais. Elle est tellement occupée par les odeurs. Ouais. Voilà, allez, à plus. Je vous laisse cette fois-ci. Ciao. Ciao.